want you to show me how to get to know someone like you. Le bateau est quasiment prêt, mais il y a encore quelques petites bidouilles. Voilà, donc on s'attarde sur des détails, mais heureusement, c'est que ça n'est que des détails. Et puis, on commence à regarder la météo. L'état d'esprit, il est plutôt bon, je me sens prêt. Donc, j'ai hâte d'être en mer tout seul et puis de me battre avec mes concurrents en classe 40. Le bateau, il est prêt. Le skipper doit se reposer un petit peu. C'est vrai qu'on a été pas mal bousculé, en tout cas pas mal sollicité. C'est ma première route du Rhum. Ça fait longtemps que j'en rêve. Ça fait longtemps qu'on prépare tout ça avec le team, avec l'Allo Multi, avec un projet, des partenaires géniaux. J'ai la chance de promouvoir l'alternance. Là maintenant, il n'y a vraiment plus qu'à, dans un premier temps, se concentrer sur l'analyse météo pour regarder les prévisions, s'en imprégner le mieux possible, élaborer la stratégie qui, j'espère, sera la meilleure. Et puis profiter de ce bel événement qui est la Route du Rhum, du fait d'être un peu au centre de l'attention. Mine de rien, ça ne nous arrive pas tous les jours et on a vraiment, vraiment hâte d'y être. Alors pourquoi le gorille? C'est parce que je travaille en Afrique depuis 25 ans et là je travaille au Rwanda. En particulier il y a le parc du Virunga dans lequel il y a une réserve de gorilles, presque un millier de gorilles. Et plutôt que d'avoir un bateau blanc comme mes anciens bateaux, j'ai voulu signifier qu'il y avait des gens qui travaillaient en Afrique et qui s'intéressaient aussi à la route du Rhum. J'ai vécu intramuros quand j'étais gamin, en tout cas, après un petit tour d'Europe sur le bateau familial. Et quand on a atterri à Saint-Malo, j'ai découvert la route du Rhum. Donc je voulais absolument faire ça un jour, donc ça a pris un peu de temps, mais en 2018 j'ai fait ma première route du Rhum. Et ici je reviens sur cette course mythique avec quelques ambitions de sportives, donc aller accrocher un top 10. Coin coin, c'est mon petit gris-gris, ça a été choisi par mes enfants, Sam et Louane, qui depuis 10 ans, il me suit sur toutes mes transats justement. Donc j'ai un peu l'impression d'avoir mes enfants à bord. Donc voilà, Coin Coin a déjà fait quelques routes du Rhum et quelques transats Jacques Vabre du coup. Et Resto du Cœur m'ont offert une mascotte, une peluche en forme de gorille qui est dans le bateau là. Il vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt en Guadeloupe.